avocat international, yo, ou été chapeau, yo, bien bas, yo, salé la presse, parlé, écrit, télévisé, en ligne, qui fait déplacement, qui la matin, après-midi à 8 mars 2021, jour, mesdames, yo. Objectif conférence, c'est pour BAI annoncer une, disons mieux, une bonne nouvelle quand même. Dans le jour, faites mesdames. Ça nous fait plaisir pour nous faire. Nous connaissons et 2004, c'était un groupe a été occupé par les Nations Unies, par le ministre. Et non seulement il était bon choléra, mais tout était quitté petite, non mais un paquet de femmes, on bon paquet. Généralement, il y a un peu de statistiques, mais on n'y a mesdames qui ne peuvent pas déclarer tête, ils ont honte, etc. Donc, on ne peut pas pour nous entrer dans le statut. Mais nous-mêmes dans le BAI, nous avons plus que 15 clients, maman, qui ont gardé bien ça qui vient de Timon. Et ça qui est un cap de Timoun et sans papa. Donc, nous avons gagné comme avocat, nous avons à travailler dans le tribunal. Dans le cadre de ça, nous-mêmes, c'est le travail du tribunal, nous avons fait un dossier comme ça. Nous avons porté deux portions de dossier dans Port-au-Prince, mais nous avons un client qui est Jacques Mel tout. Nous avons porté un dossier Jacques Mel. C'est sur le dossier Jacques Mel là, on va le parler avec nous de bonnes nouvelles qui gagnent. Mais nous avons gagné Port-au-Prince dans un référé parce que pour faire demande de pension alimentaire, son action en référé pour faire. Et il y a un juge Bélab, et qui a rejeté toute demande. Nous toujours parlé pour nous faire appel, mais tant n'est pas bon. Il y a tout, juge Mouret, et juge Bélab rejeté deux mandats. Juge Mouret n'a jamais pris une décision. Vous comprenez? Vous comprenez? Il n'a pas pris un mandat, il n'a pas connu, mais il n'a jamais pris une décision, jusqu'à ce qu'on parle avec nous. Les décisions ont commencé à facturer ça depuis 2017. Et Timoun Sayo, il a fait avant 2010, après 2010. Et pourquoi Jacques Mella? Son timoun qui fait en 2011. Ça lui fait 20 ans. Et puis maman a gardé sans papa. C'est lui-même pour compte lui qui a fait. Et 10 ans, c'est même pour compte lui qui a fait. Tout ça, lui doit faire pour lui faire timoun ça. À l'hôpital, venir manger, à l'église, à l'école. Et c'est lui-même qui a battu le courbé. J'ai envie de dire là, quand même, la timounique pour garder timoun. Et un aspect, c'est que le tribunal de Port-au-Prince, c'est peut-être ça en plus, nous dit que le tribunal est injuste parce qu'il a peur. Le juge a peur, et c'est ça fait le pouvoir judiciaire dans l'État. Ça. Je n'ai pas voulu trancher en faveur de monde qui mérite de trancher. Et je n'ai pas voulu faire pour le tribunal de Saint-Jacques-Mel. Mais je m'a présenté dans le matin, il y a une décision que le tribunal de Jacques-Mel a fait sortir. Alors, disons, on a sorti depuis le 19 décembre, dans le 18 décembre, dans le tribunal premier Saint-Jacques Mel. Et juge là pour encourager à deux bras. Les bail maman ça, une pension alimentaire. Et le mandé pour papa, et qu'on ne peut pas payer. Et ma petite, non, en gros, ça le dit, il dit que. Et alors, nous avons été bien documenté avec nous et nous avons expliqué le salaire pays a dit. Et ce qui est important pour nous, il y a deux mots qui sont importants pour nous. C'est que le juge a utilisé l'accord de siège du 9 juillet 2004. Et c'est ça, en pile, le juge a fait au peuple. Alors, c'est clair, dans des résolutions des Nations Unies, les 11 soldats ont fait bagaille pâle. Ce n'est pas bagaille qui a un rapport avec la question des Nations Unies. Et bien,
pas de humilité dans ça. Pas de humilité là-dedans. Il est clair dans les réseaux sociaux qu'il prend. Malgré nous exposer tout ça devant, mais il ne sera pas de pression. Mais il n'a pas dit rien, même pas ce qu'il y a là, ça va servir comme jurisprudence. Et ou bien nous capoter devant le tribunal pour nous faire connaître le tribunal Jacques Mel a pris une telle décision en ce sens. Donc, juge, et suivant loi 14 septembre 1983 sur pension alimentaire, et bien, il dit, il est condamné, monsieur, et c'est Henri Gouin, monsieur Relé, Hector, Dilamar, Borges, Silva. Henri Gouin, il est condamné pour le payer à madame ça 350 000 gouttes chaque mois. 350 000 gouttes chaque mois. Et puis, le juge est d'accord dans cette décision pour maman garder bien garde de l'enfant. Ça veut dire papa va pas prendre, c'est maman qui gagne, mais papa doit verser chaque mois 350 000 gouttes pour comme pension alimentaire. Et mettez le ban primaire, nous avons un connaît. Et il faut nous connaître comment il va passer. Et ça doit encourager l'autre monde. Et qui a des dossiers, qui nous donne parler, mais qui beaucoup fait dossier, il faut comprendre et il y a une possibilité pour qu'un tribunal en Haïti et condamné aux Nations Unies, condamné aux soldats aux Nations Unies, pour payer la pension alimentaire. Et ça, nous va le faire, et ça, BAI va le faire pour lui. Nous va le signifier le ministère des Affaires étrangères, et nous va signifier les Nations Unies ouais, via le ministère des Affaires étrangères. Et n'a pris tant de potions, je ne sais comment on va le faire contact là. Je me dit tout à l'heure, peut-être que je vais continuer à dire, il y a deux morceaux que le juge a qu'il dans le dossier, mais c'est qui est important. Premièrement, et accordé ce jam, il dit ça. Deuxièmement, c'est ça nous relève ADN. Parce que le gouvernement il a fait ADN et pour Timonza. Et on te dit à presque à 100% que c'est petit monsieur. Bon, c'est une petite monde qui porte non papa. Et non papa le vote. Il vote non papa. Pour l'autre monde, il y a un ADN qui est correct. Elle me dit qu'il y a 100%. Et vérifier que c'est papa, ça veut dire. Mais, il y a l'autre monde qui est même, on est bon, 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 fait ADN pour bon, et papa bon, pas et c'est pas papa yo. Donc, c'est une bonne nouvelle et je pense que c'est très important. Après toute difficulté, je me suis dit une décision sortie le 18 décembre pour que ça ne pas gagner déjà. C'est-à-dire que samedi, je suis sorti, Jacques Mel, ou Kafoua, et pour nous plaider. Depuis 2017, c'était difficile ça. Pour nous plaider, pour nous prendre ordonnance, ou bien ordonnance là parce que on ne va pas passer Kafoua. Pour aller, ou pas faire l'autre bagaille. Et les décisions finales, le juge a pris tant tout pour le rendre une décision. Et pour signifier un dossier, mon nom Port-au-Prince, Jacques Mel, etc., ça a pris tant. Mais quand même, c'est pas plus mal passé ça. Donc, il veut et gagner une décision. Et c'est une porte qui l'ouvre pour victime, moun, madame, mesdames qui ont porté Timoun, qui ont gardé Timoun pour casque bleu, pour connaître. Il y a une possibilité là pour que yo oui maître Joseph c'est il y a une possibilité pour que yo joigne réparation yo joigne pension alimentaire pour le reste c'est très difficile parce que monsieur a Uruguay mais nous continuons ici nous pas regarder utiliser voie diplomatique pour que yo prend l'argent monsieur l'agence à l'autre bord pour que il vienne. Et les Nations Unies ont adoré travailler dans ce sens. Malgré toute hypocrisie, je ne dis pas qu'à dire. Qu'est-ce que ça a été ici pour cacher derrière et barrer ça? Et c'est là qu'on comprend. Et vieux job sale, monsieur Jovenel, ou bien le gouvernement haïtien a fait par rapport avec nous-mêmes haïtiens, que ce soit mesdames, Timoun, des fois pour pouvoir, qui auraient été sous pouvoir, et bien ils ont fait tout compromis. Et ça fait pour question de choléra, il n'y a pas voulu dire rien pour nous, mais on a continué. Pour question de Timoun Soka, nous avons des mamans qui ont gardé Timoun Sayo. Dans le cas de ça,
près de 10 ans. Hein, c'est appauvri le pays. Hein. Pour faire un monde dont il y a un monde, alors que papa a parti quitter le pays parce que il a fait coup d'État, kidnapping 2004. Donc, nous pensons que ce n'est pas que nous sommes contents, mais c'est une bonne décision que lié. Et nous pensons que ça pour vous porte là. Pour le juge qui peut cap trembler parce que c'est les Nations Unies, parce que c'est l'État, il faut que nous ramassions le caractère tout pour faire justice. Et nous-mêmes, nous documenter caillou. Et dans plusieurs cas, les Nations Unies d'accord, nous ne sommes pas gagnés d'humanité. Et juge, s'il continue par les rendre décision, rejeter caillou. Et rejeter caillou, il n'y a pas de bonnes raisons pour faire ça. Donc, nous continuons la bataille, bien content. C'est pour m'annoncer une nouvelle ça, je vous dis, et que c'est 8 mars 2021 qui se joue, mesdames. Et je pense que tout le monde, toutes mesdames qui ont été témoignées, ou bien tout l'autre monde, a dû réjouir des décisions ça, qui ouvrent la porte. Et pour mesdames qui ont petit, il y a gardé au casque.